Salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 115 du Bankroll Challenge. On se retrouve au Day 3 avec 813 000 jetons. Le seed draw, pas terrible encore une fois. Je connais pas le nom des joueurs à ma table, mais je les reconnais. C'est des joueurs assez agressifs et il m'a pas fallu beaucoup de mains pour confirmer ça. Ça cliquait quoi, ça 3-bettait, ça 4-bettait, ça check-raisait, ça... C'était pas la meilleure table et il y avait aussi un joueur de live qui fait des EPT ou deux. Deux joueurs de live, un étranger et les autres que je connaissais pas étaient très très serrés. Contrairement au jour 1 et au jour 2 où je me suis beaucoup amusé, là je savais que j'allais devoir être patient. Et je l'ai été, j'ai simplement essayé d'attendre mes spots, j'ai pas essayé de rentrer dans ces batailles de 3 bêtes et de trucs. J'ai resserré mes ranges pré-flop, j'ai été patient. Arrive cette situation où je flatte paire de dames IP. C'est un mix entre 3 bêtes et call. Mais sur cette table, j'avais envie juste d'être un peu plus tricky parce que je m'attendais à me faire squeeze plus régulièrement. Je pense que c'était juste ma stratégie, quoi. Essayer de mixer un peu et de trouver des spots comme ça. Un joueur assez agressif en big blind défend. On est donc 3 way au flop. 10-5-3 avec un flush droit à pique et j'ai pas de pique en main. L'open raiser c'est bête à 15 000. Avec un pique en main, on pourrait raise. Sans pique aussi d'ailleurs, mais le délire c'est qu'on n'est pas heads up, on est 3-way. Et dans les situations 3-way comme ça, j'aime bien juste jouer sans raise en position. Bien que j'ai une catégorie de mains qui me dérange pas du tout à raise, surtout avec ses SPR. Mais bon, j'ai décidé de call, et c'est la big blind qui a check raise size. Ici ça range, c'est genre deux paires, et des combos draw, genre flush draw, gut shot, flush draw open ended, aussi paire plus flush draw. L'open raiser s'est couché, j'ai pas trop de décision ici, il a fait 60 000 en se laissant 90 derrière. J'ai juste un all-in automatique et espérer qu'il ait juste un combo draw, un flush draw, voire une top pair qui check raise genre roi 10, as 10 off, des trucs comme ça. Donc je fais tapis, il snap call, il a dame 3 de pique. Situation parfaite pour nous puisque on a deux dames en main et il joue seulement le 3 ou les piques. Mais turn as de pique est terminé, on perd ce coup. Ensuite j'ai été vraiment carte dead quoi. Je me demande comment j'ai survécu aussi longtemps puisque on se retrouve à 14 left. Donc on a démarré le day avec 47 joueurs. J'ai survécu, j'ai eu des walks j'imagine, j'ai dû voler les blindes. J'ai eu un spot As-Roi contre 8 et 9 suité contre un short As-Roi à tenue. Et on se retrouve donc à 14 left. Et arrive cette main où Yepaki, donc très bon joueur online, ouvre UTG. On est en 7 max à la table et je suis UTG1 avec paire de valets. Et j'ai hésité à 3 bet size ou à flat. À tête refroidie, je pense que j'ai quand même une préférence pour le flat. L'idée c'est que quand je 3 bet size, ce que j'ai fait, donc j'ai 3 bet 2,5x, on jouait 27 blindes effectifs, il me semble. L'idée c'est que ça joue juste trop mal versus 4 bet chauve. Évidemment, quand je 3 bet, c'est pas pour fold dans un 4 bet chauve, mais je m'attends pas à ce qu'il 4 bet chauve ici, UTG contre UTG1, autre chose que As-Roi et Dame-Dame plus, sachant que j'ai paire de valets en main, il reste un seul combo de paire de valets de toute façon. Mais ouais, ça rentre chez Dame-Dame plus et As-Roi, et contre cette range, bah, on a presque envie de 3 bet fold quoi. Je m'attends pas à ce qu'il ait beaucoup de bluffs autres ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui est très fort, mais qui va être solide dans cette situation, je pense. Donc j'ai call, hein, c'était le plan. Mais je me suis aperçu après coup que c'était pas ouf quoi au final. On n'est pas en cash game quoi, on est à 14 left, pas mal d'ICM et la structure est super nice, elle est lente, etc. J'aurais vraiment préféré flat pré-flop. Toujours est-il qu'il a As-Roi de cœur. Et là, le flop est valet 7-2 avec 2 piques et 1 carreau, top 7. Donc Yepaki, mon adversaire, commence à se lever. Turn 10, river dame, bam. Et je me prends ça dans la face, j'étais là, non, j'y ai pas cru. J'étais dégoûté. Ce qui est marrant, c'est que la croupière, c'est quelqu'un que je connais, qui habite d'ailleurs dans le même immeuble que moi à Malte, on se connaît bien. Et elle a pas fini de me salir, puisque une orbite suivante, j'open shove au bouton As-4 de trèfle, je couvre les blindes, j'ai quelque chose comme 30 blindes, SB à 20 blindes et BB à 17 blindes. Je pense à 13 left, j'aime bien ce combo à open shove bouton. Si on min-raise fold, on drop trop d'équité. Et j'aurais pu aussi limper, mais j'aime bien open shove As-4 de trèfle ici.
Et Arnaud en scène, mon big blind, me snap call avec roi dame de trèfle. Quand il a snap call, j'étais là, bon. Parce qu'il a retenu une première carte, il a fait ah, elle est bonne. La deuxième, snap call. Je fais bon, bah il a une grosse pocket ou as-roi quoi, as-dame. Et non, roi dame de trèfle, je me retrouve au final sur un gros 60-40, incroyable. Mais il fait le roi au flop et bah je perds encore une fois cette situation. Donc là, je commence à dire à la croupière que mon anniversaire c'est le 4 mars. Au cas où elle veuille m'acheter un petit cadeau pour compenser les trucs qu'elle me met là en demi. Et c'est toujours pas fini, puisque l'orbite suivante, je me retrouve à 7 blindes en blind versus blind, Conti et Paki. Il open shove ma bébé, j'ai roi 6 off. L'average est relativement haut, moi j'ai 7 blindes, je suis loin derrière, dernier. C'est vrai qu'il y a de l'ICM, qu'on est en demi, on pourrait presque fold. J'aurais considéré fold si l'average était plus bas, mais là j'étais juste trop loin derrière. J'ai juste pris le spot, j'aurais pas beaucoup d'autres situations futures si je fold ça. Je vais rapidement blind out, je pense, avec les blindes qui tournent et tout. Donc j'ai pris ce spot et il avait dame 9 de trèfle. Et il a fait le 9 à la turn et on bust donc 13ème. Une très belle place, je suis content. J'ai le sentiment d'avoir bien joué, il y a quelques mains que j'ai misplay. Cette paire de valets, je suis pas très fan du 3-bet call all-in. Mais ça m'aurait moins dérangé, genre bouton cutoff, SB hijack, peu importe. Mais ces positions-là, un peu moins fan. Mais bon, quand même très satisfait de cette 13ème place. Et j'espère que ça vous a plu. Je vais sûrement jouer le high roller, le super high roller aujourd'hui. Ça fait bizarre de dire super high roller pour un tournoi à 5000. On entend généralement ça pour des tournois à 25-100 000. Mais bon, c'est le super high roller de l'APO aujourd'hui. Je vais le late reg au day 2 puisque je me voyais vraiment pas le jouer juste après avoir busté du day 3. J'ai juste pris un petit jour off. Donc voilà. Je vous dis à tout de suite dans le prochain épisode. Ciao à tous.